ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد اخواني في الله اخواتي في الله فاوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل قال سبحانه وتعالى وقدموا لانفسكم وقدموا لانفسكم واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه، واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين. أيها المسلمون والمسلمات، لقد كرم الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان، وأحسن إليه غاية الإحسان، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد كرمنا بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا اخواني في الله اخواتي في الله وان من افضل ما تميز به الانسان عن غيره نعمه العقل نعمه العقل اخواني في الله فهو هبه من الله سبحانه وتعالى هبه عظيمه ومنحه جزيله وهو تاج المؤمن وهو تاج المؤمن في هذه الدنيا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اصل الرجل اصل الرجل عقله اصل الرجل عقله ولقد امر الله سبحانه وتعالى باعمال العقل باعمال العقل والتفكير قال سبحانه وتعالى قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون فطوبى لمن اعمل عقله لمن اعمل عقله في الخير ووسع مداركه ووسع مداركه وزاد من علمه وعمله وارتقى بمهاراته ووظف مواهبه فيها او فيما ينفع الناس وتخلق بالاخلاق الجميله وتحلى بالصفات الحميده النبيله ليصبح انسانا ليصبح انسانا ينفع ولا يضر، ليصبح انسانا ينفع ولا يضر، ويعمر ولا يدمر، ويبني ولا يهدم، ويبني ولا يهدم، ويحقق الخير لنفسه ومجتمعه والانسانية جمعاء. قال الله سبحانه وتعالى: واحسن كما احسن الله اليك، واحسن كما احسن الله اليك، Chers communautés façade, chère communauté musulmane, je vous conseille ainsi qu'à moi-même de craindre Allah, subhanahu wa ta'ala, et de redouter son terrible châtiment. Allah, subhanahu wa ta'ala dit en ce sens, et accomplissez de bonnes actions, craignez donc Allah, et sachez qu'un jour vous le rencontrerez. Et sachez qu'un jour... Vous le rencontrerez et fait bonne annonce aux croyants. Et fait bonne annonce aux croyants. Mes chers frères et sœurs, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honoré grandement l'être humain. Il a honoré et privilégié grandement l'être humain. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, certes, nous avons honoré les fils d'Adam. Nous les avons transportés sur terre et sur mer leur avons attribué une bonne subsistance et les avons nettement privilégiés sur beaucoup de nos créatures. Et nous les avons nettement privilégiés sur beaucoup de nos créatures. Mes chers frères et sœurs, la chose par laquelle se distingue l'être humain des autres créatures, se distingue l'être humain des autres créatures, créatures, est bel et bien, mes chers frères et sœurs, la raison. Est bel et bien, la raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné et a donné à tout être humain cette raison qui est un grand bienfait, mes chers frères et sœurs, et un don de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Omar ibn al-Khattab disait que l'essence même de l'être humain, c'est sa raison. L'essence même de l'être humain, c'est sa raison. Lorsqu'il n'a plus de raison, ce n'est plus un être humain. Lorsqu'il n'a plus de raison, ce n'est plus un être humain, mes chers frères et sœurs. Donc, en effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de raisonner, de faire travailler notre intelligence et notre réflexion. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, en ces sens, nous avons exposé, nous vous avons exposé clairement nos preuves afin que vous raisonniez. Nous vous avons clairement exposé nos preuves et nos signes et nos versets afin que vous raisonniez. Aura gagné, mes chers frères et sœurs, aura gagné dans cette vie celui qui raisonnera à bon escient, qui cherchera toujours à augmenter son savoir et sa culture, qui sera élevé par ses performances intellectuelles et les metrabi Idnillah au service des gens et les Metrabi Ibnillah au service de l'islam et qui jouira d'un noble caractère aura gagné celui qui jouira d'un noble caractère. Et d'une haute moralité pour qu'il devienne bien là un homme utile aux autres, pour qu'il devienne un homme ou une femme utile aux autres, utile aux autres, mes chers frères et sœurs, ne faisant mal à personne pour qu'il devienne une personne qui construise et non qui détruise et qui concrétise sa propre dignité et son propre honneur, mais aussi la dignité et l'honneur de son peuple et de sa communauté et de l'humanité même, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, sois bienfaisant comme Allah l'a été envers toi. Sois bienfaisant comme Allah l'a été envers toi. Et ne cherche pas à semer la corruption sur terre. Ne cherche pas à semer le désordre sur terre. Car Allah n'aime point les corrupteurs. Car Allah n'aime pas ceux qui mettent le désordre. أيها المؤمنون والمؤمنات لقد دعانا ربنا سبحانه وتعالى إلى النظر إلى السماوات والأرض فقال سبحانه: انظروا ماذا في السماوات والأرض أي ادرسوا ما فيها ادرسوا ما فيها واستفيدوا من قوانينها كما أمرنا أن ندرس أحوال الأمم السابقة أمرنا الله سبحانه وتعالى أن ندرس احوال الامم السابقه لنستفيد من حياتهم لنستفيد من ايجابياتهم ونتجنب سلبياتهم ونتجنب سلبياتهم ونولد افكارا جديده نطور بها من خلالها حياتنا ونبتكر حلولا افضل لمش... لمشكلاتنا لنصل بهذا الابداع والابتكار الانساني الراقي الى الرياده الحضاريه باذن الله فالابداع والابتكار اخواني في الله فالابداع والابتكار تزدهر تزدهر الحياه وتعمر وتعمر به الارض وتبنى الحضاره ولقد قص علينا القران القران الكريم تجارب ابداعيه في مجالات عديده فمنها صناعه السفن فمنها صناعه السفن التي علمها الله سبحانه وتعالى لنبيه نوح عليه السلام اذ قال تعالى فاوحينا اليه ان اصنع الفلك باعيننا ووحينا ومنها ايضا صناعه الدروع التي علمها الله سبحانه وتعالى لنبيه داود عليه السلام اذ قال الله سبحانه وتعالى وعلمناه صنعه لبوس لكم لتحصنكم من باسكم ومنها ايضا اخواني في الله اكتشاف الدواء قال الله سبحانه وتعالى عن النحل يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس فيه شفاء للناس ان في ذلك لايه لقوم يتفكرون ان في ذلك لايه لقوم يتفكرون وقال صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله فان الله لم يضع داء الا وضع له دواء الا وضع له دواء شيخ croyant et شر jeune musulman aujourd'hui باذن الله الله سبحانه وتعالى nous a enjoint a contempler l'univers a contempler l'univers et la creation d'Allah subhanahu wa ta'ala Lorsqu'Allah nous dit, contemplez ce qu'il y a dans les cieux et la terre. Contemplez ce qu'il y a dans les cieux et la terre. Allah subhanahu wa ta'ala nous pousse à étudier ce que recèle sa belle création, la création d'Allah. Cherchez donc, cherchez donc, étudiez, tirez des leçons de ce bel agencement et de cette magnifique organisation. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous exhortent à étudier l'histoire des peuples qui nous ont précédés. Nous exhortent à étudier l'histoire des peuples qui nous ont précédés. L'histoire est riche d'enseignements mes chers frères et sœurs. L'histoire est riche d'enseignements pour celui qui réfléchit. Prenons ce qu'il y a de bon en eux. Prenons ce qu'il y a de bon en eux et écartons-nous de ce qu'il y a de mal en eux. Réfléchissons bien à notre avenir comme ils ont réfléchi eux mêmes, essayons de bâtir bi un monde meilleur dans un progrès continuel et un développement constant. Bi essayons en tant que musulmans, mes chers frères et sœurs, essayons en tant que musulmans de trouver ensemble les meilleures solutions à nos problèmes, de trouver ensemble le, les meilleures solutions à nos problèmes pour enfin bi redorer notre civilisation ternie par tant d'années de vagabondage et par tant d'années de décadence, mes chers frères et sœurs, innover, inventer, découvrir, chercher à connaître, chercher à connaître, développer notre savoir, faire preuve d'ingéniosité et d'originalité sont des mots auxquels nous devons donner des sens, sont des mots auxquels nous devons redonner vibi idinà au sein de notre Ummah, au sein de la communauté musulmane. Allah Subhanahu wa ta'ala nous relate plusieurs faits d'ingéniosité, d'ingéniosité de la part de différents prophètes, comme la construction des bateaux dans le Coran, comme la construction des navires et des bateaux qui fut, qui fut enseigné par Allah subhanahu wa au prophète Noé, mais aussi la fabrication des côtes de maille qui fut enseignée au prophète David, que la paix soit sur eux tous, Allah subhanahu wa ta'ala, nous dit. Nous lui avons appris la fabrication des cotes de maille afin qu'elle vous protège contre vos propres blessures, afin qu'elle vous protège contre vos propres blessures. Et aussi, Allah, ça c'est pour celui qui médite le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous a poussé à chercher les remèdes et les médicaments et les remèdes aux maladies en nous informant notamment à propos des abeilles, de leur ventre sort un nectar de leur ventre, le ventre des abeilles, sort un nectar aux couleurs variées dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Il y a là une preuve pour des gens qui réfléchissent. Il y a là une preuve pour des gens qui réfléchissent. Mes chers frères et sœurs, et aussi notre prophète sallallahu alayhi wa disait, ô oh, vous les gens, apportez un remède à vos maladies. Apportez un remède à vos maladies. Car Allah n'a fait apparaître aucune maladie sans lui prescrire un remède et une, et une guérison. Allah n'a fait apparaître aucune maladie sans lui, lui prescrire un remède et une guérison. Comme pour nous dire, notre prophète, alayhi wasallam, comme pour nous dire, cherchez donc ces remèdes et essayez de découvrir ces remèdes à ces maladies. Donc l'islam pousse les gens à être à chercher le savoir et à être plus intelligent et à ne pas rester les bras croisés. Wallahu a'lam. Aqoul qawli hadha wa astaghfirullaha li walakoum wa li sa'iril muslimin. Fa astaghfirou. Fayaa fawza al mustaghfirin. Alhamdoulillah. Alhamdoulillahi wahda. والصلاه والسلام على من لا نبي بعده واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين عباد الله اتقوا الله سبحانه وتعالى وراقبوه في السر والنجوى اخواني في الله لقد حرص نبينا صلى الله عليه وسلم على تنميه ملكه التفكير والابداع لدى اصحابه الكرام رضي الله عنهم، وكان صلى الله عليه وسلم يستخرج المواهب ويقوم برعايتها وتحفيز اصحابها رضي الله عنهم، وعندما اشار سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر الخندق، بحفر الخندق لحمايه المدينه، سارع النبي صلى الله عليه وسلم الى تبني هذه الفكره المبتكره وتطبيقها فكان منهج النبي صلى الله عليه وسلم رعاية الافكار المفيدة باذن الله حتى تنوعت المواهب وتعددت وتفتحت العقول وترعرعت وانطلق مبدا التفكير البناء واقبل الناس على القراءة اقبل الناس بعد ذلك على القراءة والتعليم وانبثق فجر الحضارة الاسلامية في وقت يسير وسطع نورها في اقطار الارض كلها لتنقل البشريه الى واقع مبدع ونجح المسلمون. نجح المسلمون انذاك في بناء حضاره عظيمه عريقه متميزه في مختلف المجالات وابتكروا العديد من العلوم رضي الله عنهم والمعارف الابداعيه الجديده وبرعوا في علم الطب والرياضيات والهندسه والفيزياء والفلك وغيرها فضلا عن علم التفسير والعقائد والحديث والفقه وأصوله رضي الله عنهم وعلوم العربية وغيرها رضي الله عنهم وكانت ثمرة هذا الإبداع والابتكار تحقيق الخير والرقي للعالم بأسره للعالم بأسره شيخ كوميونتي مزلمان شيخ جونس مزلمان ان ميساج افير باسي c'est de vous encourager à apprendre. C'est de vous encourager à apprendre et à faire de... et à faire, bi à faire que vous soyez toujours curieux de tout bien. Développez votre esprit, mes chers frères et sœurs, et les jeunes en particulier. Développez votre esprit et soyez utile à votre communauté. Soyez utile à votre communauté. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aimez les esprits vivants. Aimez les esprits vivants et encourager chacun de ses compagnons à approfondir et accentuer ses compétences dans une science, dans une science déterminée. Il aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam voir des gens qui savent réfléchir autour de lui, voir des gens qui faisaient, et eh bien, qui faisaient travailler leur intellect et qui faisaient travailler leur raison autour de lui, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'Allah agrée les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque son compagnon, lorsque son compagnon perse, Selman, c'était un perse, donc Selman, radiallahu an, proposa au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de construire un fossé et une tranchée pour protéger la ville de Médine des assaillants, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'empressa d'approuver cette idée, s'empressa, d'approuver cette idée de la mettre en pratique, malgré que les Arabes de l'époque ne connaissaient pas cette technique d'autodéfense, ne connaissaient pas cette technique d'autodéfense, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, lorsque Selman lui a proposé cela, eh s'est empressé à la mettre en pratique. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu, a vu l'esprit ingénieux en la personne de Selman et lui fut reconnaissant et encouragea par ce geste tous ceux qui apportent leurs bonnes réflexions à l'utilité des gens et en particulier à l'utilité de leur communauté. Mes chers frères et sœurs, ainsi l'islam débuta et encouragea les esprits innovants puis se développèrent d'année en année les découvertes des musulmans ainsi que le principe fondamental de la réflexion utile dans les sciences les plus diverses, c'est ainsi, mes chers frères et sœurs, que les musulmans se mirent à beaucoup lire, se mirent à beaucoup lire, à écrire, à enseigner et à découvrir et à découvrir de sorte que la civilisation islamique connut un essor rapide et spectaculaire. Elle connut un essor très rapide et spectaculaire au point qu'une intellectuelle allemande contemporaine écrit un livre en hommage dont le titre est évocateur, Le soleil d'Allah brille sur l'Occident. Le soleil d'Allah brille sur l'Occident. Alors que l'Europe se débattait dans un Moyen-Âge de conflits et de blocages, eh bien, le monde musulman, mes chers frères et sœurs, était le théâtre d'une admirable civilisation fondée sur les échanges économiques, intellectuels et spirituels dans toutes les disciplines mathématiques, chimie, astronomie, médecine, architecture, Poésie sans parler des sciences religieuses et linguistiques, eh bien, les musulmans multiplièrent les plus prodigieuses réalisations, mes chers frères et sœurs. Ces mêmes réalisations ont peu à peu gagné une, grand, une grande partie de l'Europe. Donc, si vous entendez aujourd'hui des gens vous dire Écartez vous de toute religion parce qu'elle vous empêche de réfléchir, ceci est faux et l'islam eh bien, la civilisation islamique et la plus grande preuve à cela, quand les musulmans eh bien, étaient ancrés et s'étaient attachés à leur religion, eh c'est là que leur civilisation était la plus grande et la plus puissante. Donc mes chers frères et sœurs, ceux qui vous disent « écartez-vous de la religion » et surtout les jeunes, si vous entendez cela dans votre école ou autre, si on vous dit « écartez-vous de toute religion » et en particulier, il parlent de l'islam, donc qu'ils vous disent de vous écarter de cette religion pour que vous soyez, pour que vous ayez un esprit libre et un esprit raisonné, alors que c'est tout le contraire. L'islam, justement, t'apprend à réfléchir, t'apprend à avoir un esprit libre et t'apprend aussi à apprendre et à aimer découvrir et à être curieux du monde. Donc, mes chers frères et sœurs, ces mêmes réalisations que les musulmans ont données aux gens, eh bien, on peut à peu gagner une grande partie de l'Europe, où elles jouèrent un rôle déterminant dans l'éclosion de la civilisation occidentale que nous connaissons aujourd'hui. Cette civilisation, mes chers frères et sœurs, cette civilisation musulmane et son influence, trop souvent passée sous silence, trop souvent passée sous silence, sinon ouvertement contestée par certains, doivent être un honneur pour vous, la jeunesse musulmane. Eh bien, étudiez la civilisation musulmane pour que ce soit un honneur pour vous et pour que vous ressentiez la fierté d'appartenir à cette religion. Mes chers frères et sœurs, c'est à vous aujourd'hui, Binilla, -e de reprendre ce flambeau et de le porter haut. Étudiez sans cesse, recherchez, -e -la, la science, recherchez la science et ne restez pas les bras croisés et l'esprit fermé. Ne lâchez jamais vos études, ne lâchez jamais vos études, soyez les plus assidus dans vos devoirs et rendez nous fiers. Aujourd'hui, on entend malheureusement plus que les musulmans sont des terroristes sanguinaires, que les musulmans sont ceux qui peuplent le plus les prisons de France et qui s'emploient à mettre le désordre ici et là, ici et là, par la vente de drogue, par les agressions gratuites, par le vandalisme, ou la vente d'armes, ou les incivilités de tout genre, etc. Mais on n'entend pas, ou très peu, que les musulmans ont en France. Un des lycées dont la réussite au bac est la plus élevée, que la meilleure moyenne du au bac l'an dernier était celle d'une sœur musulmane et aussi que le meilleur boulanger de France 2013 était un boulanger musulman et que la meilleure assistante maternelle 2012 était une musulmane. Mes chers frères, des, mes chers frères et sœurs, ce n'est qu'un début, ce n'est qu'un début, il reste encore du chemin, je sais. Il reste encore du chemin, mais c'est vous les jeunes, biidnillah, c'est vous les jeunes qui devez redorer cette civilisation qui était, qui était merveilleuse auparavant. Faites taire, faites taire ceux qui détestent l'islam par vos bonnes actions, et faites taire ceux qui détestent l'islam par votre intellect et votre raison. Suivez votre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'adorez qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, et placez votre confiance en lui. Et placez votre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et faites des exploits dans le bien, dans les études et dans la réflexion. Soyez utiles à votre communauté. Soyez utiles à votre communauté. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite à tous et à nos enfants. Allahumma aslih shababana. Allahumma aslih shababana. Allahumma aslih shababana. اللهم يسر لنا اسباب الخير والرشاد، اللهم يسر لنا اسباب الخير والرشاد، واعنا على الرقي والسداد، ووفقنا جميعا لطاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا جميعا لطاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا العقل السديد. والفهم الرشيد والخلق الجميل وفقنا للنهوض بأنفسنا ومجتمعنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم المبارك ذنبا إلا غفرته ولا شابا إلا أصلحته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا الا رحمته يا ارحم الراحمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن علمنا، اللهم تب علينا وتب على المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، وقنا عذاب النار.